toujours cette envie d'exprimer les choses à travers la musique, ça m'a toujours paru évident. Jamais imaginé de faire autre chose que ça. Composer un quatuor, je crois que pour tout compositeur, c'est un fantasme, parce que on imagine que c'est ce qu'on va faire quand on a vraiment atteint une certaine maturité. Ce qu'on a en tête quand on compose de la musique, eh bien, c'est déjà la volonté de ne rien avoir en tête. Le premier quatuor est une pièce de facture relativement classique et qui fait d'ailleurs largement référence au grand répertoire du quatuor à cordes. Oui. Et éventuellement, si après ça devient un petit peu plus long, c'est pas grave. Mais quand tu l'attaques un peu, voilà. Parce que ça, c'est vraiment le contraste avec ce que fait Maxime, qui lui est tout le temps dans le legato. Et là, ça marche. J'ai proposé une partition composée jusqu'à un certain stade, et le processus de composition continue avec les musiciens. C'est-à-dire qu'eux s'approprient cette partition et vont la terminer eux-mêmes. À partir de ce cadre très précis, certains éléments du détail de la partition vont être trouvés et choisis par les musiciens eux-mêmes. Donc c'est un partenariat. Là, le musicien se transforme d'une certaine façon en compositeur. Le quatuor Tana avec lequel on a enregistré les quatuors, eh ben, s'est prêté à merveille à ce jeu, et je pense qu'ils ont pris un certain plaisir. Il s'agit moins d'entendre les quatre instrumentistes que l'énergie qui se dégage des quatre instrumentistes. Et c'est plutôt avec ça qu'on travaille. Et David, une question, en fait. Oui. Moi, mes interventions, est-ce qu'elles viennent vraiment pile sur celles d'Antoine? Tu vois, est-ce qu'il y a vraiment un rapport de... Écoute, comme dans le premier, par rapport à ce qui était dit ici, quand même, en principe, oui. Alors, quatuor numéro 2, par rapport au premier quatuor, c'est vraiment le négatif du premier quatuor, puisque le premier quatuor était une pièce qui était dans un esprit tout à fait narratif. Ici, il s'agit tout à fait de l'inverse, c'est-à-dire qu'on est tout à fait dans l'évocation. Un petit peu comme si on allait entendre l'ombre d'une musique, finalement, qui n'apparaîtra jamais. C'est une musique qui est relativement libre, et quand je la relisais la dernièrement, je me disais... Elle est vraiment relativement libre, parce que c'est assez quand même balisé, et voilà, le tout, ce sera de s'entendre sur ce niveau de liberté. Ben, on fait appel à des techniques d'instruments qui sont plus nouvelles, hein, sans être vraiment d'avant-garde, et donc, à l'écoute, ce quatuor peut paraître plus abstrait. Vas-y, c'est aussi une grande satisfaction pour un compositeur d'entendre sa musique proposée par des instrumentistes. Et puis, finalement, cette musique échappe au compositeur. Un petit peu plus vite. Pardon. J'en donne 5, je fais 2 et 3. Ah, là, alors le but d'enregistrer, ben, c'est d'abord c'est de fixer les œuvres, puis de diffuser tout simplement cette musique, de permettre à beaucoup de gens de les entendre dans de très bonnes conditions. Donc je crois que la musique n'est quand même pas faite pour être lue, elle est faite pour être écoutée. On accompagne, on consolide l'existence d'une œuvre, et de toute manière, cette œuvre ne vit que si elle est apprivoisée par les artistes et puis qu'elle est écoutée. Elle n'existe qu'à partir du moment où les gens l'écoutent. Mon rôle, en fait, dans ce cas-ci, c'était un peu le rôle du directeur artistique
qui est un rôle vraiment très très compliqué, surtout au moment d'enregistrement. On n'a pas toujours l'écoute la plus appropriée. Ce qu'il faut, c'est avoir vraiment une écoute d'ensemble, alors qu'on a parfois tendance à se focaliser sur les détails. De plus, que la continuité, la discontinuité viendrait de Jeanne. Voilà, et c'est vrai que moi je l'imaginais partir vraiment tout à fait de l'aigu. Là, c'est plus ça en fait. Le plus beau dans le travail de l'artiste, c'est la rencontre avec les musiciens. Et puis tu dis, eh ben, vous savez quoi, moi je le rejoue depuis le début. Et tout part de cette rencontre. Si cette rencontre fonctionne, alors je crois qu'on peut prétendre à aller très très loin.